Donc notre expérience a commencé il y a 4 ans à peu près, où je n'avais que deux produits, qui étaient les figues de Djebba et Hadis Arim. Actuellement, au magasin, on est à peu près plus d'une dizaine de produits du terroir. Alors, je dois reconnaître que le chemin était un peu compliqué, mais très passionnant. Très passionnant. Et au bout de 4 ans, on commence à récolter les fruits de ce travail. Voilà. L'impact de la première édition du concours a été très, très, très important. Les ventes connaissent une importance en termes de ventes, c'est-à-dire. Mais plus que ça, il y a un véritable engouement du consommateur. C'est-à-dire qu'au début, je faisais plus un travail de mise en valeur que de vente. C'est-à-dire que je prenais le temps, je continue à le faire d'ailleurs, de raconter l'histoire du produit, du producteur, de la région, de telle sorte que maintenant, les gens, les consommateurs, quand ils viennent, ils connaissent Djebba, ils m'en parlent, il y a beaucoup qui se déplacent. Donc ça, c'est très important pour l'agrotourisme. Et s'intéresse de plus en plus aux produits, aux régions, et consomme de plus en plus. Je voudrais donc, pour finir, revenir sur un point qui me semble important. C'est vraiment, il faudrait que les producteurs sachent comment commercialiser leurs produits, c'est-à-dire comment le mettre en valeur. Cela passe bien sûr par des normes. Tout ce qui est administratif, fiscal, la patente, tout ce qui est des normes sanitaires aussi, le code à barre, les DLC, les dates de fabrication, ça aussi c'est très très important parce que dans les épiceries fines aussi on ne peut pas vendre n'importe quoi, même si le produit est bon de l'intérieur, mais il faut que toutes les informations y figurent sur l'emballage, les ingrédients aussi. Donc pour ça, il faudrait voilà, peut-être axer un peu plus la chose sur ce point. Voilà, je vous remercie. Merci.